Bonjour mes amis, nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui comment faire pour qu'un ex veuille à nouveau de toi dans sa vie. Et je sais que beaucoup de gens me demandent au téléphone en coaching ou par email comment faire Antoine pour que mon ex ait envie de moi, que ce soit lui ou elle qui me court après sans que j'ai besoin de faire des actes désespérés, sans que j'ai besoin de trop montrer mes sentiments, comment faire pour recréer ce lien qu'on avait qui était extrêmement fort avant. Donc je vous propose dans cette vidéo du jour qu'on voit ensemble les quatre étapes qui sont extrêmement importantes à suivre. On va voir ce qu'il ne faut Faire du tout ce qui pourrait tuer complètement la relation amoureuse, et on va voir également dans les points d'après quelles sont les choses qu'il faut mettre en place pour arriver à simplifier la conquête amoureuse et faire que finalement, ben aujourd'hui, votre ex, plutôt que de faire deux pas en arrière quand vous en faites un en avant, ce soit l'inverse, ce soit votre ex qui revient vers vous et qui a envie de vous recontacter. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer cette vidéo, je vous rappelle juste la consigne de base c'est qu'il y a un quiz pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex. C'est juste en dessous, dans la description de la vidéo et aussi dans le premier commentaire. C'est gratuit, c'est un bilan complet et anonyme sur votre situation avec toutes les choses qu'il faut faire et toutes celles qu'il ne faut absolument pas faire. Et même un score qui vous donne de 0 à 100 quelles sont vos chances de récupérer la personne que vous aimez le plus au monde. Donc, on va arriver à nos quatre étapes du jour qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. On va commencer par les choses à éviter et on va voir que notre cerveau nous met dans un piège qui est extrêmement classique et si je vous l'explique je pense que vous pourrez ne plus faire cette erreur juste après la chose qu'on a souvent tendance à faire quand on sort d'une rupture amoureuse c'est d'envoyer des messages en permanence et c'est bien normal parce que notre cerveau est en ébullition, on pense à mille choses en même temps, on a envie de dire plein de choses, on est mitigé entre d'un côté de la colère, de l'autre de l'amour, d'un côté des envies d'explication de l'autre et d'un côté l'envie de nous-mêmes donner des explications pour comprendre ce qui se passe. Et, ce qu'il faut savoir, c'est que cette envie de communiquer excessivement est totalement naturelle, parce qu'à un moment donné, vous étiez en couple et le lendemain, plus rien, patatras, l'autre a disparu. Et donc, vous voulez juste comprendre. Votre cerveau a envie de comprendre ce qui se passe et pourquoi est-ce que vous ressentez ce manque. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez loupé Et surtout, comment faire pour réparer ça Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que votre ex a eu ce même déclic, mais avec une autre phase, une autre temporalité. En gros. Euh, la décision de rupture de votre ex ne date pas du jour de la rupture. Il date d'il y a quelques semaines, voire même quelques mois. Donc ça veut dire que votre ex a eu le temps de se préparer à ça, de prendre ses décisions de rompre, a eu le temps de préparer peut-être même ses affaires parfois, peut-être même préparer un plan de secours, comme avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Peut-être même parfois c'est euh, préparer un autre logement pour pouvoir partir ailleurs. La décision date d'il y a bien longtemps, vous savez, c'est un peu comme le Titanic. Au moment où l'iceberg a tapé la coque du bateau, les gens faisaient encore la fête pendant des heures sur le ponton, alors qu'en fait le destin du Titanic était déjà euh, écrit d'avance, ça allait couler, malheureusement les gens n'avaient pas vu. La rupture amoureuse a un peu de ça. Alors on n'est pas dans un Titanic où tout le monde va mourir à la fin, parce qu'on va voir qu'on peut l'arranger, mais la décision est probablement arrivée à un tiers. De la relation avant la rupture amoureuse. Si vous êtes restés trois ans ensemble, peut-être que l'autre est en train de songer à la rupture depuis peut-être toute la dernière année. Un tiers de la relation amoureuse. Donc, nous, qu'est-ce qui se passe On découvre ça le mardi, euh, le mercredi, on n'est pas bien, le jeudi, on envoie des tonnes d'SMS pour comprendre. Ben oui, l'autre a déjà mis un an dans sa tête pour s'en sortir. C'est bien normal qu'on soit sur un rythme qui est différent. On se sent mal, on a besoin de notre ex. Et ce qui se passe malheureusement, c'est que l'ex est dans une autre phase où il a besoin d'être tranquille, de digérer ça, de, éventuellement même parfois de savourer sa liberté et de passer à autre chose. Pour le moment, ça va changer par la suite. Et donc, le fait de nous voir nous en train d'être en demande, etc., ça fait que lui est en train de se libérer, en train de monter. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On s'enfonce. On envoie une tonne de messages. Et donc, ça vient enlever le peu de désir de la part de notre ex. Donc, supplier son ex. De revenir, c'est pas une bonne chose, que ce soit par SMS ou de visu. Euh, dire toujours oui, c'est aussi une très mauvaise chose. C'est notre instinct naturel. On se dit, bah voilà, aujourd'hui dans ce bras de fer, L'autre est en train de gagner. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire oui à tout ce qu'il me demande. Tu veux avoir des enfants? T'en parlais depuis très longtemps? Allez, vas-y. On va faire des enfants ensemble. Tu veux? Tu veux faire le tour du monde? Vas-y. On va faire le tour du monde ensemble. Tu veux acheter une maison? Vas-y. On va acheter une maison ensemble. Je te dis oui. Parce que c'est notre instinct naturel. Malheureusement, ça va créer quelque chose de négatif derrière. C'est que ça va enlever le respect de l'autre. Quand tu es face à quelqu'un qui dit toujours oui, il y a un signal qui est très mauvais qui est envoyé dans le couple. Si par exemple, vous êtes à égalité dans votre relation. Certains de, enfin, l'un devrait dire oui, parfois oui, parfois non. L'autre aussi jusqu'à se trouver un, un terrain d'entente. Si là, il y en a un qui dicte sa loi, l'autre qui dit toujours oui, qu'est-ce qui se passe? On retombe dans la même équation que vu tout à l'heure. L'un des deux perd toute sa valeur. Donc, c'est pas bon. Quatrième chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est devenir hystérique si l'autre fréquente quelqu'un d'autre. Je sais que si jamais ça vous arrive, attention, ça n'arrive pas à tout le monde, ça arrive à certaines, peut-être, voilà, une personne sur deux, sur trois ou sur quatre, donc c'est pas non plus systématique, mais on a souvent tendance à extrêmement mal le prendre. Encore une fois, Lex, la décision date d'il y a bien longtemps. Nous on vient juste de le découvrir. Donc c'est normal que Lex ait envie de passer à quelque chose d'autre. Il est enfin libre. Ça fait peut-être six mois qu'il y pense, et là bah, il peut en profiter parce qu'il est déjà passé dans quelque chose d'autre. Sachez bien que c'est souvent des relations rebonds. Le principe même d'une relation rebond, c'est que ça ne dure pas. Et ce qu'il va falloir faire, ce sera attendre la bonne opportunité, le moment où cette relation rebond se termine pour revenir vers Lex. Et souvent, ça prend quelques semaines. Donc c'est assez rapide. Autre chose à éviter, ce sont... Euh les cadeaux, je sais que beaucoup de gens tendent à faire ça. Ça peut être des bagues, des voitures. J'ai déjà vu ça aussi. Des, même des maisons entières. J'ai déjà vu ça aussi. Que ce soit un gros cadeau, un petit cadeau, pas de cadeau. On n'offre pas un cadeau à quelqu'un qui nous a quittés. C'est la règle essentielle. N'offre jamais de cadeau à quelqu'un qui est méchant. Si tu te demandes comment c'est, pense au Père Noël. Est-ce que le Père Noël, il acheter un cadeau à un petit enfant qui est méchant? La réponse est non. Et là, c'est pareil pour ton ex. Ça va même venir tuer l'attirance. Notre souci que je vous citerai souvent, c'est de s'énerver. Euh, et faire des reproches. Et c'est aussi quelque chose qui est naturel quand quelqu'un vous met une baffe, un coup de poing ou enfin, vous vous pince, vous avez mal, votre cerveau n'a qu'une envie, c'est de faire pareil sur l'autre. J'ai eu mal pour te montrer ce que ça fait, je vais te faire mal aussi. Tu m'as pincé, je vais te pincer. Dans la rupture amoureuse, c'est pareil. L'autre nous a fait beaucoup de mal, on a juste une envie, c'est la revanche. Je vais te montrer à quel point je souffre, parce que toi, tu es là très heureux, tu m'as quitté, tu l'air très heureux. Tu vas découvrir ce que ça fait. Donc là, on a envie de vengeance, lui faire une tonne de reproches. Autre chose qu'on fait aussi très souvent, c'est trop analyser la situation. Alors, je sais que ceux qui regardent cette chaîne ont souvent envie de comprendre, et c'est une bonne chose de comprendre, mais il faut... 10% ou 20% de compréhension, et le reste du temps passe à l'action. On va vivre sa vie, on va rencontrer des gens, on se bouge les fesses. Nous aussi, on va rencontrer d'autres gens sur Mythic, Tinder, Adoptamec, etc. On se bouge, on se sort, on fait du sport, on prend soin de nous pour devenir quelqu'un de chouette. Donc, on vient de voir dans l'étape 1 quelles sont les choses qu'il faut absolument éviter. On va passer aux choses qu'il faut faire, notamment avec l'étape numéro 2, lui donner de l'espace. Euh, on parle beaucoup sur cette chaîne de silence radio. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est que vous venez vous aussi de l'espace. <laughs> vous devriez savoir ce que c'est. Et le silence radio, ça consiste à bah, typiquement ne plus parler à son ex. Vous devez le savoir. Donc typiquement, c'est pas des SMS quand on est bourré le soir, même pas de like sur Instagram, pas de messages sur Snapchat. Et parfois, ça va aussi jusqu'à ne pas demander de news aux amis. J'ai des gens qui me disent quand je leur pose la question, est je leur demande, est-ce que tu as Contacter ton ex, il me fait non, non, non. J'ai juste demandé à sa mère comment elle allait. Mais en fait, tu te, te rends pas compte. Tu as demandé à sa mère que l'autre appelle tous les jours. Forcément, elle va le savoir. On n'est pas dans un silence radio, là. On ne contacte pas les amis proches. Pourquoi ça fonctionne? Parce que l'ex a besoin de ça en ce moment. Il a besoin de se retrouver tranquille, tout seul. Je sais qu'on est, euh... Baigné dans des films américains où on se rend compte que ceux qui réussissent à s'en mettre ensemble, c'est ceux qui font le plus d'efforts. Je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, de Pretty Woman, où il arrive en voiture en bas de chez elle avec des fleurs, etc. Il y a tout un, des, des tonnes de films américains où finalement, celui qui gagne, c'est celui qui a fait le plus d'efforts pour prouver son amour. Il s'avère que ce qui est montré dans les films américains n'existe pas dans la vraie vie. En tout cas, pas dans la vie française. Ça n'existe nulle part. Personne qui fait ça n'arrive à récupérer son ex. La seule chose qu'il leur faut, c'est du temps pour s'en remettre. Et il y a un concept qui est extrêmement important à savoir, c'est remettre les émotions sur neutre. Quand on se sépare, alors, avant la séparation, on était, c'était votre ex qui était énervé et vous peut-être un peu moins. À la séparation, souvent, c'est inverse. Les émotions sont changées, c'est vous qui êtes énervé, Alex qui est soulagé. Et là, l'idée, c'est de laisser passer du temps pour que bah, finalement tout ça s'équilibre et qu'on revienne sur neutre. Le cerveau humain a une capacité à oublier le négatif, à se rappeler que du positif. Donc ça veut dire que chaque jour qui passe est une chance en plus pour vous de récupérer votre ex. C'est aussi le meilleur moment pour devenir la meilleure version de soi-même. Alors combien de temps ça dure Est-ce que ça dure une semaine 21 jours 30 jours Quelques mois La bonne réponse c'est qu'il faut que ça dure jusqu'à ce que vous reveniez au neutre pour vous. Si jamais... Vous sentez au bout de trois semaines que vous avez encore de l'agacement, que vous êtes encore peiné par tout ça, que le, le sujet vous hante en permanence, vous n'êtes pas sur neutre. Si jamais vous sentez au bout de trois mois que vous n'êtes pas encore sur le neutre, c'est que ce n'est pas le bon moment. Le moment neutre, c'est le moment où vous vous dites, j'aimerais bien revoir mon ex, et je ne sais pas si on s'en mettra ensemble ou pas. On verra. Et voilà, je sais que souvent dans notre tête, on se dit qu'il faut faire vite, 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 déjà pour faire comme si cet événement n'avait jamais eu lieu, et également parce qu'on a peur que l'autre rencontre quelqu'un d'autre, vous avez le temps. Vous avez un mois, deux mois, six mois, un an, deux ans. Vous avez tout le temps. Donc prenez suffisamment de temps pour revenir sur les émotions neutres. Des gens me demandent souvent est-ce qu'il y a des exceptions comme par exemple euh, les anniversaires, euh, les fêtes, les mariages, euh, Noël, Nouvel An, etc. Est-ce qu'on peut envoyer un message J'ai envie de dire que ce sont des messages qui ont de moins en moins de sens aujourd'hui. Quand entre votre anniversaire, vous recevez 400 messages ou même 20 messages d'amis dans l'eau, il y a votre ex. Bon, bah, qu'est-ce qu que ça change vraiment Est-ce que c'est un signe que l'autre vous aime ou pas, c'est juste une espèce de politesse dont j'ai envie de dire que non. L'autre exception, c'est si jamais votre ex vous contacte. Si jamais votre ex vous contacte, c'est pas forcément pour s'en mettre avec vous. Ça peut être tout simplement pour prendre des nouvelles de vous, pour savoir comment vous allez. Pour faire du service après-vente, ils vous ont largué, ils ont mal au cœur par rapport à ça, ils veulent savoir comment vous allez et ils vous appellent. Donc ça peut arriver. Est-ce que c'est pour se en mettre ensemble Pas forcément. Attendez bien d'arriver jusqu'aux émotions neutres avant d'accepter. Si jamais votre ex vous recontacte et vous sentez que c'est un peu trop tôt, ne sautez pas sur l'occasion, laissez passer quelques jours, revenez tranquillement après. L'autre exception c'est si vous vivez ensemble, dans ce cas-là on va faire ce qui s'appelle un silence radio minimum, on va se croiser, on va être cordial, on va se sourire ou si vous travaillez ensemble, pareil, petit sourire, bonjour, au revoir, ça s'arrête à ça comme on le ferait pour n'importe quel autre collègue qui serait dans le même travail. En point numéro 3, on va voir comment faire pour devenir la meilleure version de soi-même. Alors, il y a l'attirance qui est forcément guidé par le look obligatoirement. Vous savez, il y a plein de gens qui se disent « Ouais, le look, c'est pas aussi important que ça, le physique, on s'en fout, etc. » Je peux vous dire quelque chose. Quand vous croisez quelqu'un, quelqu'un que vous ne connaissez pas dans une soirée, qu'il est propre, qu'il a pris un peu soin de lui, qu'il a une chemise à peu près repassée, qu'il a les cheveux propres, qu'il sent bon, qu'il a les dents un peu, un peu, un peu blanchies... Qu'il a une bonne allure, qu'il a les yeux euh, sans cerne, sans, sans, voilà, bien maquillé, si c'est une femme, ça fait une différence, forcément. On fait attention à son look parce que ça fait une différence. C'est le signe de beaucoup de choses derrière. Une personne qui prend soin d'elle physiquement, c'est aussi une personne qui prend souvent d'elle, soin d'elle mentalement, qui va aussi prendre soin des autres, qui aura souvent un appartement qui est bien rangé. Donc c'est juste la partie visible de l'iceberg, votre look. Mais les gens prennent une grande attention à ça. Donc concentrez-vous pour une fois que je vous donne ce conseil. Concentrez-vous sur votre apparence pour une fois que vous avez le temps. Ça peut être d'aller faire du shopping, ça peut être d'aller faire du sport, ça peut être d'aller faire de la danse. Ça peut être d'aller chez le dentiste. Peut-être que votre dernière révision des tartrages date d'il y a très longtemps. Peut-être le moment d'y aller. Ça peut être d'aller sur Tinder. Ne serait-ce que pour se mettre un peu en forme. Voir comment ça se passe. Voir ce que les gens vous disent. Vous entraîner. C'est très important. La rupture arrive souvent avec l'arrêt des efforts. C'est lorsqu'on s'est trop reposé sur ses lauriers. Quand on n'a pas fait très attention à l'autre. Donc, reprenez ces efforts. Faites-vous beau. Ça coûte pas forcément très cher. Il y a des bonnes affaires. Vous pouvez sur Vinted qui vous donne des, des fringues de, de, de particuliers particuliers revendent vous pouvez vous renseigner, vous pouvez aussi demander à vos amis qu'est-ce que vous devriez avoir comme barbe si vous êtes un homme, qu'est-ce que vous devriez avoir comme coupe de cheveux si vous êtes une femme. Prenez du temps pour ça et ça fera une différence. Avant d'aborder le dernier point, j'aimerais juste vous rappeler qu'il y a un quiz pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex. Et c'est juste en dessous dans le premier commentaire de cette vidéo et également dans la description de cette vidéo. En quatrième et dernier point, quand est-ce qu'il faut contacter son ex On a vu tout à l'heure, il faut attendre que les émotions soient remises au neutre. Je vais vous parler d'un autre concept qui s'appelle le momentum. Il y a un moment dans votre vie, suite à la rupture amoureuse, vous avez l'impression que vous êtes au plus bas, que terre, vous avez l'impression que c'est foutu, que vous vous en remettrez jamais, vous pleurez tout le temps, que vous soyez un homme ou une femme, vous vous en mettez jamais, vous y pensez tout le temps. Et puis après ça, bien évidemment, ça passe, on va mieux, on pense à autre chose, on commence à refréquenter des gens, on commence à voir ça et on va arriver dans un autre moment, donc le premier moment, c'est le moment de rupture, on se sent au plus bas et on va arriver à un moment donné, à un moment qui est extrêmement haut. C'est-à-dire que pendant ce momentum, on a par exemple, si on est un homme, on a par exemple euh, 3-4 dates sur Tinder qui nous intéressent, des filles qui sont bien. Si jamais on est une femme, on a peut-être, euh, je dis n'importe quoi, un, un collègue de bureau ou un ami qui nous drague et on commence un peu à oublier l'ex. C'est à ce moment-là, précisément, que l'ex revient à chaque fois. Ça s'appelle le momentum. Et c'est à ce moment-là qu'il sera le bon moment recontacter son ex s'il ne l'a pas fait. Vous devez voir de quoi je parle. Vous savez, on dit toujours, les ex reviennent toujours quand c'est le pire moment ou quand on pense plus à eux. Finalement, ils reviennent souvent un tout petit peu après ce moment-là. Et l'idéal, c'est de les contacter juste un petit peu avant pour les remettre dans l'équation. Donc... Tant que vous n'avez pas l'impression d'être revenu dans ce momentum, vous êtes bien dans votre peau, bien dans vos baskets, vous parlez bien, vous êtes séduisant ou séduisante à nouveau, vous avez une vie qui est chouette à nouveau, vous avez retrouvé vos repères, peut-être même que vous êtes installé dans un nouvel appartement, que c'est chouette chez vous. À ce moment-là, quand tout redevient bien dans votre vie, quand tous les axes s'alignent, c'est le bon moment pour contacter votre ex. Tant que ce n'est pas le cas, tant que vous êtes dépendant de cette personne, tant que votre bonheur ne dépend que de votre ex, ce n'est pas le bon moment. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi un commentaire en dessous pour me raconter votre histoire. Je réponds à énormément de commentaires sur YouTube et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye